Je salue mes sœurs, mes frères. I greet everybody in the name of Jesus. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous salue tous au nom de Jésus. Et rapidement, je vais parler pendant 45 minutes. Et quickly, we take our Bible. Prenez vos Bibles, nous ouvrons dans les livres des rites. Chapitre 2, verset 13. We go back quickly in the book of Ruth. We can Ruth 2 and we can read 13. Dans les livres de rites, chapitre 2, verset 13. Elle dit, oh, que si j'ai trouvé grâce à tes yeux, mon Seigneur, car tu m'as consolé et tu as parlé au cœur de ta servante. Et pourtant, je ne suis pas, moi, comme l'une de ta servante, l'une de tes servantes. Et n'a contesté, oh yo, tout le temps parler sur la grâce. Comme je vous ai dit, aujourd'hui, je pense c'est la troisième séance, oh, tout le temps parler sur la grâce de Dieu. Aujourd'hui, je vais terminer sur la grâce. Aujourd'hui, les lona ça sur la grâce de Dieu. Tout le monde qui rit, ça confessé, j'ai trouvé grâce à tes yeux, mon Seigneur. Et quickly, toquez rapidement encore dans les livres des Actes, chapitre 1. Nous lisons dans les livres des Actes, chapitre 3, verset 22. Actes, chapitre 3, verset 22. Moïse a dit, le Seigneur votre Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Go quickly, take your Bible and go quickly. Rapidement, nous parlons sur la grâce de Dieu. Temeza kaka, ne crains point et non les crains point. Tout ça, vous parlez de la grâce parce que tu l'obis. Là où il y a la grâce de Dieu, la grâce est protégée, la grâce est bombaka, d'où nous avons besoin de la grâce de Dieu dans nos vies. Tolobi, Totangi, na livre à Actes chapitre 3, verset 22. Moïse a dit, le Seigneur votre Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira, et quiconque n'écoutera pas, ce prophète sera exterminé du milieu du peuple. Tous les prophètes qui ont successivement parlé depuis Samuel ont aussi annoncé ce jour-là. Vous êtes les fils des prophètes et de l'alliance que Dieu a traitée avec nos pères en disant à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénis à ta postérité. Et nalingi lisusu, nalingi vraiment to souligner que c'est quelque chose qui est important. Et si kabalobi, Dieu vous suscitera, dans verset 22, Dieu vous suscitera, balobi suscitera d'entre vous, entre vos frères, un prophète comme moi. Suscitera entre vos frères un prophète comme moi. Dieu a suscité d'entre vous un prophète comme moi. Je vais te souligner en haut. Et toke lisusu, sobotangi, na acte 7, verset 37, baza kolobelaka yango, Deutéronome 18, verset 15, baza kolobela yango, mais na lingi totanga, rapidement, toke na livre ya Jean, chapitre 1. Nous lisions maintenant dans les livres de Jean, chapitre 1, verset 45. Jean chapitre 1 verset 45. Philippe rencontra Nathanaël et lui. Jean chapitre 1 verset 45. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi. Et donc le prophète ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Ce qui est au Jésus, on a 16, Kakawana na Jean, chapitre 1, verset 16. Nous avons tous ce récit de sa plénitude, grâce pour grâce, car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique, qui est dans les seins du Père, c'est celui qui le fait connaître. Et ces derniers matins, nous avons parlé sur la grâce de Dieu. Là-bas, conteste haute au Pessibisson, dans le livre à Ruth. Ruth a parlé, j'ai trouvé grâce auprès. Ruth, elle avait trouvé grâce auprès de Boaz.
Je vous ai dit que Boaz est l'image de Jésus, Ruth est l'image de l'Église, Ruth est l'image de toi, Ruth est l'image de moi. Ruth aza image ya Église à Jésus, Jésus-Christ aza image ya Boaz. Mais Tolobi awa Ruth a trouvé qui grâce auprès de Boaz, c'est-à-dire que Ruth a zoko reconnaître que elle avait trouvé grâce. Tolobi Église à Jésus, eza Église au baza ko reconnaître grâce. Tala awa et c'est quand tu kotanga dans les livres au totangi ya Actes des apôtres, Moïse a dit aux enfants d'Israël, Nzamba ko suscité un prophète comme moi. Un prophète comme moi, quand Moïse parlait, un prophète comme moi, la Bible nous dit, bah, prophète belé, bah, oh, bah, les kakiliboso, bah, on y a sopé, bah, parler qui sur Christ. Parce que tout le monde y a accomplissement dans un mot, dans Jean chapitre 1, verset 45. Et cette prophète-là, c'était Jésus. Jésus-Christ, c'est un prophète. Mais, bah, ça, qu'on comparait Jésus-Christ avec Moïse. Moïse a dit, Dieu suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Tandis que nous voyons Moïse, nous voyons encore Jésus-Christ encore comme prophète. Mais tandis que Moïse, il représente l'Ancien Testament, tandis que Jésus, il représente le Nouveau Testament. Moïse, il représente la loi. Parce que la Bible nous dit, la loi est venue par Moïse. Moïse est l'image de la loi. Moïse, il incarne la loi. Tandis que Jésus-Christ, il incarne la grâce. Jésus-Christ est la grâce. Moïse est la loi. Ce que ça lui est dit, donc, on a Israël, on a Moïse. Moïse, il a la loi. Les 10 commandements. Et loi est terrible. Loi est pour moi qui bat le belé. La loi, on a Israël. On a le désert. On a dit de 3 millions. On a 3 millions. On a dit le désert. Tala Moïse a mis Israël dans le désert. 3 millions. Oyo Moïse a même mis dans le désert. Mais dans le désert, wana, ce que ça dit, c'est étude de Romona, 600 000 bateaux bakoufaki na loi. Loi est qui terrible, loi est boma qui batebele, plus de 600 000 personnes. Oyo bakoufaki na loi. Bakoufaki na désert. Pour loi, mi pepo ezaki makasi. Dix commandements ezaki makasi. Ba loi. Na kat na bana Israël, au moment même ba juif, judaïsme orthodoxe, bazalakana 613 commandements. Bazalakana 613 commandements. Mais na 613 commandements, ba pratika kakaka 32 commandements. Na 613 commandements, mais bazalaka incapable ya ko pratiquer même 100. Ba koma kaka. Na 32 commandements on va respecter, on va pratiquer, parce que la loi est très difficile, loi est pas si, loi mingi ezalaka extérieure, loi ezalaka extérieure, mais la grâce ezalaka intérieure, la grâce est intérieure, la loi est extérieure, mais la grâce est intérieure. Mais regardez Jésus-Christ, Moïse a donc incarné la loi, mais loi est pour moi qui va te mêler. Jésus a incarné la grâce. Balobi, Jésus-Christ a élevé sa grâce sur grâce. Jésus-Christ a élevé sa grâce sur grâce. C'est pour cela que je vous ai dit que Jésus-Christ, il y a une grâce pour nous. Jésus, il est grâce pour nous. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de grâce. Je vous ai dit, là où Jésus est assis au trône de la grâce. Si vous lisez la Bible, dans le livre d'Hébreux, chapitre 4, verset 16, Balbi, approchons-nous vers le trône de la grâce. Là où Jésus est assis, il est assis au trône de la grâce. Je vous ai dit, la grâce est très importante. Je vous ai dit, l'évangile est basé sur la grâce. Ceux qui te l'ont dit, la grâce et la foi te détruisent l'évangile à Jésus. Parce que l'évangile est basé sur la grâce et la foi. L'évangile aux Othéa est basé sur la grâce et la foi. Si nous enlevons ceux qui te longoli l'évangile, te longoli la foi, te longoli la grâce, te bomi évangile à Jésus. La grâce est très importante. Et entre lui, biso ma chrétien, nous sommes sauvés par la grâce. C'est-à-dire, biso petosa ba toi grâce. D'où c'est très important, tout déclarer que grâce n'a pas vu na biso. Na lobi grâce, ezali, grâce est sa faveur imméritée. Grâce est à Christ.
Parce que dans le bâti nabiso, dans le bâti grâce, na hébreu eligi koloba, grâce na grec eligi koloba, charisme, charisme, n'engezo tolobaka charismatique, charisme eligi koloba don. Jésus-Christ est le don du monde. Nakati ya charisme, tozomona Christ, ezobima Christ, Christ Jésus, ezobima na charisme. Jésus-Christ Aza don pour Nabiso. Jésus-Christ est Aza grâce pour Nabiso. Jésus-Christ est dans le baki, na grâce. Grâce est lié koloba bienfait. Grâce est lié koloba faveur imméritée. Na kati na grâce, tozo mona bienveillance. Na kati na grâce, tozo mona bénédiction. Na kati na grâce, tozo mona protection. Na kati na grâce, tozo mona pardon excellent. Na kati na grâce, tozo mona bénédiction, faveur. Tous les gens ont opportunité na kati na grâce. Grâce Eza, na le baki na biso na livre ya Hébreu, suivez plutôt les épîtres de Paul. Bogomona na ba épître nyonso na nouveau testament. Grâce Eza la ki salutation. Grâce Eza la ki salutation. Ba livre nyonso ya ba épître na ba débit na ngomona que la grâce et la paix, la miséricorde de Dieu soit avec vous. La grâce, la grâce, la grâce et la paix, la grâce du Seigneur, la grâce. Mais conclusion, il y a un épître nyonso et sous kaka sur la grâce. La grâce est la salutation. La grâce est très important. Nous avons besoin de la grâce de Dieu dans nos vies. Ma soeur, mon frère, nous en avons besoin de la grâce. Yango David a dit le bonheur et la grâce m'accompagneront. Le bonheur et la grâce de Dieu m'accompagneront. Nous en avons besoin de la grâce. Yanzambe na bavi na biso. Nous en avons besoin de la grâce. Grâce to mérité en mot à salibison molou et ça gratuit. Grâce to gagnaka en mot et to travail en mot. Le Seigneur Jésus dans le Nouveau Testament, il nous a sauvés par la grâce. La grâce est très important. Ce que tu as mis la carte dans la Bible et dans le Nouveau Testament, bah répéter grâce, grâce, plus de 150 fois. 150 fois, bah répéter la grâce. La grâce est très très important. La grâce de Dieu est très important dans ma vie, la grâce, et ça qui même la formule, il y a pour bénir Israël. Quand les sacrificateurs priaient, quand les sacrificateurs bénissaient les enfants d'Israël, et ça qui dans le livre, il y a Nombre, chapitre 6, versets 22 à 26. Au moment où on a cité grâce, grâce est parmi ma bénédiction. Donc, grâce est très important. Grâce et le koloba sous merci. Grâce et le koloba merci. Den tolobaka na ba mot latin ba mot euti na latin na neti français tant tolobaka gloire à Dieu veut dire quand tant tolobaka grâce à Dieu na mot ba mot euti na latin ba langue euti na latin neti français Italie italienne Italie outina na latin espagnol outina latin okomona tambalobaka merci atilizaka gracia okomona na français tantozoloba grâce à Dieu et ligoloba merci à Dieu merci à Dieu Italie tantozoloba merci tolobaka gracia na espagnol gracia nyonso wana et ligoloba merci. D'où grâce, et l'église Koloba, merci, et l'église Koloba, les sous, et l'église Koloba, remerciement, les actions de grâce, d'où ça très très important, nous avons besoin de grâce, et en Zambé, dans ma vie, nous avons besoin de grâce, dans la grâce, dans le bateau, nous avons besoin de grâce, pour ça, la banine, dans le bateau, grâce. Rapidement, tout en lisant le livre de Genèse, chapitre 6, nous lisons dans le livre de Genèse, chapitre 6, verset 5. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre. Il fit affliger dans son cœur. L'Éternel dit, je terminerai de la face de la terre l'homme que je créais, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles, aux oiseaux du ciel, car je me réponds de l'avoir fait. Dans verset 8, il y a un verset important. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Ma sœur, mon frère, il y a un Zambal qui est au Kamate, il y a grâce. Dans ces temps,
L'Éternel a alliaki ko détruire la terre. Na aseta to ebi ke zaki ta oyombule betaki e boma ki bato lokola coronavirus. Le noto ko comparer mbula wale zaki lokola coronavirus o epargne ki bato te. Mais est-ce que grâce à ça, nous avons ça pour épargner bato. Mais la Bible nous dit bien sûr la pluie et boma ki bato belé, mais la Bible nous dit ici l'Éternel a fait la grâce à Noé. Si notre Dieu avait fait la grâce à Noé, aujourd'hui, Yosa Noé, aujourd'hui, Yosa représentait Noé. Si Dieu a fait la grâce à Noé, dans les temps où Dieu voulait détruire le monde, et le même Dieu, c'est le même Dieu que nous prions, c'est Dieu-là. Aza Kosala Yopengolu, Banzambozo Kosala Ngai Pengolu Kama. Mais l'Éternel, la Bible nous dit, mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. La lingue sikaza, aussi kayozali, aussi kanoé tchakombo na yo. Te répéter trois fois, phrase oyo, répéter en haut à haute voix, aussi kayozali, mais si kaya noé, joie Bible na yo, répéter. Et la Bible avant boma. L'Éternel voulait détruire la terre, mais là où il y avait la grâce, Dieu avait épargné cette famille. Dieu avait épargné famille à Noé, mais je vais là où tu es, dans la place de Noé, mets ton nom, dans la place de Noé, mets le nom de ta famille, tchakombo ya famille na yo, et si ka ozali, toza ko recite à mo bisonyoso, et si ka ya Noé, tchakombo na yo, mais qui vient y trouver grâce aux yeux de l'Éternel, qui vient y trouver grâce aux yeux de l'Éternel, répétez là où tu es. Qui vient d'y trouver grâce aux yeux de l'Éternel, mets ton nom, mets le nom de ta famille. Tchakombo na yo et libota na yo. Et si kaya noé, te répéter en mot trois fois. Répétez, say that. This is a sentence. You need to say that three times. Tolobi, mais qui vient d'y trouver grâce aux yeux de l'Éternel. Qui vient d'y trouver grâce aux yeux de l'Éternel. Qui vient d'y trouver grâce aux yeux de l'Éternel. Thank you. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste, intègre. Dans son temps, Noé marchait avec Dieu. Pourquoi Dieu avait fait la grâce à Noé? Parce que Noé, il était un homme intègre. Noé, il était un homme juste. Noé qui lui marchait avec Dieu. Les gens qui ont Jésus, les gens qui ont reçu Jésus dans leur vie, ce sont des hommes intègres. Les gens qui ont reçu Jésus dans leur vie, ce sont des hommes justes. Parce que dans la grâce de Dieu, nous ne méritons pas cela. Dans la grâce de Dieu, tout ça qu'on méritait, justice n'a pu sauter. Mais c'est la justice de Dieu. Et la Bible nous dit, l'Éternel a fait la grâce à Noé. Noé trouva grâce, alléluia, aux cieux de l'Éternel. Aïe, tout ça a besoin. Il y a grâce en Zambé dans ma vie, Nabiso. Parce que tout ça, église à Jésus. Jésus a même dit, Nabiso, grâce. Pour Jésus a sa grâce, église à Jésus a sa grâce, Saint-Esprit a sa grâce, église à Jésus, tout ça va ta grâce. Alléluia. Dans la limite au temps, dans la puissance, 5 verset 11. Toquez la puissance 11 verset. Puissance chapitre 5 verset 11. Yogane Balobi. Alors, à ceux qui se confient à toi, à ceux qui se confient à toi, aux gens qui se confient à l'Éternel. Moi, je me confie à l'Éternel. Tu te confies à l'Éternel. C'est pour cela que tu écoutes ce message. Tu te confies à l'Éternel. C'est pour cela que tu pries. Tu te confies à l'Éternel. C'est pour cela que tu écoutes ce message. Tu te confies à l'Éternel. C'est pour cela que tu adores le Seigneur. Tu te confies à l'Éternel. C'est pour cela que tu crains l'Éternel. Et la Bible nous dit, Yo kanzambeneng azoloba, azoloba na yo. À tous ceux qui se confient à l'Éternel, à tous ceux qui se confient à toi, à tous ceux qui se confient en toi, se réjouiront. Et la Bible nous dit, il aurait de la allégresse à toujours. Bah oyo, parce qu'on se confie à l'Éternel. La Bible
dit après, et tu les protégeras. Nzambe wana kosalini akobate la biso, akobate la banane. Ba o bazako se confier na ye. Yo zako se confier na l'Éternel. Yo zo yo ka message. Ma sœur là où tu es, tu te confies à l'Éternel. Yo kanzamba lobi na yo, yango kolela galela gate, yango komitungisa maka komitungisa maka te, zala mute sengo, même na za ngimbongo, zala mute sengo, même si na za malade, zala mute sengo, même si bat ba critiquer yo, zala mute sengo, même si bat ba rejeter yo, bibe lobi, dans la joie et ça parmi ba signe la kisaka que toza nzambe. La Bible nous dit ici tokozala ilore, l'allégresse a toujours. S'il les protégera, qui nous protégera? C'est l'Éternel. Il nous protégera devant quoi? Devant maladie, devant coronavirus, devant les attaques, devant les échecs, devant les combats, devant les attaques spirituelles. L'Éternel, il nous protégera. Le banzambaza kobate la ngai kamal. Le banzambaza kobate la banana ngai kamal. Le banzambaza kobate la foyer nanga kamal. Le banzambaza kobate la. God is taking over, cover. God is with you. Balobi awa kobate la. Après kobate la balobi din. Tu seras un sujet de joie pour ceux qui aiment ton nom balobi awa. Tu seras un sujet de joie pour ceux qui aiment ton nom. Zamba kozala. N'après pas continuer na sepeli na verset ko ya suka kuna tozo kende. Car tu bénis les justes. C'est Dieu qui bénit les justes. Dieu il bénit les justes. Et après, ô Éternel, tu les entoures de quoi? Tu les entoures de quoi? Comme na lingi la Bible de Sikosa. Et Sikosa comme la ngai. Na lingi phrase wana. Yo koma yango. Comment on a un écran à yo? Comment on a un phone à yo? Comment on a un WhatsApp? Comment on a un ordinateur? Comment on a un si comme ça? Tu m'entoures de quoi? Tu m'entoures de quoi? Ah mon Dieu, il m'entoure de grâce comme quoi? Un bouclier. Dieu, il nous entoure. Zamba za ko batte la vie, ça il nous entoure. Aza ko batte la na nini? Nangolu na ye, nangolu na mérité te mazo batte la nga. Même ici na za na faiblesse azo batte la nga. Même ici na zo tanga Bible comme il faut te mena ngolu na ya ko batte la nga. Même ici. Ay 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 ay. Na za na vie zo se pinsa ite me soka sa lingolu, a ko batte la yo kraka. Nous entoure de sa grâce comme un bouclier. Zamba batte la rabisso à Babina. Il nous entoure de sa grâce. Moni awa, toi, on a besoin de grâce. Grâce est très important. Nous avons besoin de la grâce de Dieu. Il y a moins important. David a dit oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. David a yebaki. Nazo mérite en côté. Il y a salinga kangolu. Est-ce que kangolu na yeza? Ngolu na bi esi kangolu eza ba porte fungwa maka. Ah, ngolu elanda yo. Matea oya ngolu balobi awa. Il nous protège, il nous garde. Zambe de mobate ni devant coronavirus. Kono coronavirus ezo simba. Bastard. Coronavirus, ils ont Simba, ma joueur. Coronavirus, ils ont Kouéissa, ma prince. Ils ont Simba, ma prince, ma ministre. Ils ont Simba, bango. Yo peut-être aux ministres. Yo peut-être que nous avons battu la sécurité de mon côté. Mais là où il y a la grâce de Dieu, aïe 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 aïe, il nous entoure de sa grâce. Il m'entoure de sa grâce. Il nous entoure de sa grâce. Comme un bouclier, abattez la car, bison à Moluna ye, Moluna zala di colonna yo, Moluna zala na banzela na yo, Eza na foye na yo, Eza na ndako na yo, Eza na bafer na yo, Eza na babien na yo, Molu, il a fait la grâce à Noé, il a fait la grâce à Noé, c'est Dieu là et le même, il a fait la grâce à Noé, il a fait la grâce à ses serviteurs, Dieu wana, Aza le même, Alléluia. Glory to Jesus. Dans la Bible, il y a quelques vérités à connaître pour tout avancer. La première vérité, c'est par la grâce que nous sommes sauvés. C'est par la grâce que nous sommes sauvés. Par le moyen de la foi. Voilà la première vérité à connaître et à connaître. Totangi, dans Ephésiens, chapitre 2, verset 8. Ephésiens 2, verset 8. Sois Ephésiens, chapitre 2, verset 8.
Balobi, nous lisions, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. C'est par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. On dit Awa. Balobi, Awa, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Par les moyens de la foi. D'où la grâce et la foi. Et comme et quand bien, la grâce et la foi. C'est pour cela que je vous ai dit, ceux qui t'ont la grâce, t'ont la foi, t'ont détruit l'évangile. Parce que l'évangile à Jésus est basé na grâce et la foi. Vous êtes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Les dons de Dieu, c'est la grâce et la foi. Mais tandis que cette grâce-là, c'est le don de Dieu, c'est Jésus qui est le don de Dieu. Car Dieu a tellement aimé le monde, il a donné son Fils. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus. Le don gratuit, c'est Christ. La grâce, c'est Christ. Nous sommes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. Yo ndima kaka, on nimi, on a parmi la grâce, mais il faut ndima. C'est le moyen de la foi. Aïe, 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 aïe. Romains chapitre 11, verset 5. Romains chapitre 11, verset 5. De même aussi, dans les temps présents, il y a un reste selon les élections de la grâce. Les élections de la grâce. Souligner les élections de la grâce. Ils n'ont même pas ça là-bas. Élection et grâce. Élection et grâce. Ils ont mis dans l'élection et grâce et là-bas. Aux awana, Zamba Ponyu a tché na pembe na vie aux a sauvé. Dans l'élection naïe. Quand vous dites dans l'élection, il y a des élis. Les élis en Zambé Bazaraga. Baponami en Zambé Bazaraga. Il y a autre chose. Les élections de la grâce. Les élections de la grâce, Zalaga. La Bible nous dit, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élis. Les élis, ce sont des gens aux Zambaponi. Yosa parmi les élis, Zambaponio. Moutosoyo ka message aux Zambaponio. Osa parmi les élis. C'est pour cela qu'il faut l'ingazambe. C'est pour cela qu'il faut prier. Et c'est pour cela qu'il faut l'ingazambe Jésus. C'est pour cela qu'il faut en avoir à sainteté. C'est pour cela qu'il faut en avoir à adoration. La Bible nous dit, Awa, les élections de la grâce. Or, si c'est par la grâce, ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus une grâce. Si c'est par les œuvres, n'est plus une grâce. Autrement dit, l'œuvre n'est plus une œuvre. Nous avons besoin de parler. Ceux qui vont piquer 100 000, la grâce, ils ont compté tes là. Parce que si nous sommes sauvés par les œuvres, important c'est la grâce et Zawa. Nous sommes sauvés par la grâce. La grâce que nous avons mérité en Yamote, mais il nous a fait la grâce. Nous avons mérité en Yamote, mais le Seigneur t'a fait la grâce. La grâce de Dieu, nous sommes sauvés. C'est très important au Kangamo. Si yo, osamwa nzam, si yo, osamu kamate ya o, si toza la vie à Kolinganzam, vie à l'osambo, vie à Kokamanzam, il nous a sauvés par la grâce. Au moyen de la foi. Alléluia. Deuxième vérité. Dieu fait la grâce aux humbles. Zamba sala rasusu ngolu ya koleka. Na bato ba mikiti sa repay na ye. Totangi na Jacques chapitre 4 verset 6. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. Romains chapitre 4 verset 6. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi les Écritures disent, Dieu, il y résiste aux orgueilleux, mais il y fait grâce aux humbles. Dieu, il y fait grâce aux humbles. Il y a une photo de bateau, de l'ingézambe, tout ça bateau, tout ça qui ne sait pas nzambe, tout ça bateau, tout ça qui y a des bossonaïe, tout ça n'a vie à commis qui dit ça. Parce qu'il fait la grâce aux humbles. Bah, on va mis qui dit ça, ka. Pour nous louer, pour nous lingayer, pour nous yamba Jésus, pour nous adorer Jésus, pour nous prier, pour nous... Ah, il fait la grâce aux humbles, mais il résiste aux orgueilleux. Et on va continuer dans verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, il fuira loin de vous.
Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs. Homme irrésolu, sentez. Ah, on s'en va. Mais ce n'est aucun verset. 10 Balobi. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Tomi kiti sa nase, naye. Tomi kiti sa, yako sa nini, akotomo la biso. Parce qu'il résiste aux orgueillés, mais il fait une grâce excellente. Na bato baza, na komi kiti sa. Tokene na 1 Pierre chapitre 5, verset 5. 1 Pierre chapitre 5, verset 5. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciennes. Tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous de l'humilité, car à Dieu, il résiste aux orgueillés, mais il fait grâce aux humbles. Tala va répéter des fois. Dans le baranabis, ce sont comme une parole de Dieu. Et comme il répétait des fois, il y a besoin de la vérité pour les awana. Et dans la vérité, vous avez caché Zawana. Témoignage, j'ai batomi balé balé photo du mango. Kuna na Jacques Balobi, il résiste aux orgueillés, mais il fait grâce aux hommes. Awasu ba répéter un mot. Dans verset 6, humiliez-vous donc sous la puissance et main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Tomi kiti sa na senangolu na ye. Tomi kiti sa. Zambazon kabato bazo ye pa ina ye. Tozon di maje. Ezan batu mousso sou teti. Aboko yamba jezi. Ayebo. Jezu yana za rapona ba mindele. Aza pona biso batu mou inoute. Jezu yana na rokenene wapi. Jezu yana. Awa babi tomi kiti sa. Moutou aza moutou a komi kiti sa. Eza moutou a yambi Jezu. Azon di ma Jezu. A invite Jezu. Na vi na ye. Kom senere sauveur. E moutou an a mi kiti se devan zambe. E chak fwa. Tou zaka toujou na titu. Ya komi kiti sa li boso na ye. Pon ngolou na ye. Eza la. Ngolou na ye fuluka. Ngolou na ye fuluka. Ngolou na ye ton da mikolo na biso. E balobi na biso. Ce qui te continue na verset 7 balobi. Déchargez-vous sur lui. Toutes vos soucis. Car lui-même prend soin de vous. Déchargez sur lui, sur qui? Sur Jésus. Déchargez sur lui, c'est Jésus. Dans ma prière, boy, dans ma intercession, toti kelie mi kumba na biso, ba problème na biso, maladie, ba problème toko zala nango, ba problème ba difficulté, ba bitumba, ba difficulté, ba problème financier, ba problème ya famille andako, ba lito déchargez à moi pa inaye. Toti kamwe pa ya Jésus. Toti kamwe à travers la prière, à travers l'intercession, à travers ma prière, la confession, à travers ma prière, il y a déclaration, il y a ma réclamation, il y a confession, il y a ma proclamation. Toti kamwe que ya Jésus. Mikumba na biso. Yokande balobi. Celui de continuer, soyez sobre. Na verset 8. Veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion, rugissant, cherchant qui il y dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme. Sachez que les mêmes souffrances qui sont imposées à vos frères dans le monde, le Dieu de toute grâce. Aïe, 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 aïe. N'a c'est pas la ravana. J'avoue tout à l'heure sous génie passé. Balobi, le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle. Après que vous aurez souffert un peu de temps, il vous perfectionnera lui-même. Dieu, il nous perfectionnera. Il nous restaurera. Zamba ko restaure yo. Yo zole kana souffrance. Yo zole kana ba combat. Yo zole kana ba épreuve. Yo zole kana ba problème na foyer. Yo zole kana ba problème na santé. Yo zole kana ba problème na vie na yo. Balbi awa nzamba ko sa nini. Il nous restaurera. A perfectionner et lui koloba. Restaurer, à restaurer Yoyemoko, il nous affermira, il nous fortifiera, il nous rendra inébranlables. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen. C'est-à-dire pour moi, le Dieu de toute grâce a perfectionné Bissot, a restauré Bissot. Le Dieu de toute grâce a rendre Yoyos à la fort. Le Dieu de toute grâce a rendre Yoyos à la ferme. Le Dieu de toute grâce a pour rendre yo ozala inembralable. Pour yazali nzambe ya toute grâce. Alléluia.
Deuxième vérité, na pesa ki biso toza la bato tomi kitisa ke pay na ye. Oyebi Marie, maman ya Jésus, basala ki grâce pour zaki, la femme wazaki ya komi kitisa. Soko tangi na Luc chapitre 1 verset 45, bi bezo lo batango ange ya pay na ye. Marie azalaki une femme oyo azalaki humble. Soko tangi na français courant, Marie azalaki une femme oyo azalaki muta komi kitisa. Tous la bata comme qui dit ça. Alléluia, parce que si comme qui dit ça, c'est quand on va se faire la grâce na ye. Et troisième vérité, la grâce nous enseigne la piété. La grâce nous enseigne la piété. Là où il y a la grâce de Dieu, la grâce nous enseigne la piété. Tout autant dans mon livre à Tite chapitre 2 verset 11. Tite chapitre 2 verset 11. Quickly go. Que dans le livre à Tite chapitre 2 verset 11. Balobi awa. Car la grâce de Dieu, source de toute, la grâce de Dieu, source de salut pour toutes les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, aux convoitises mondaines, à vivre dans les siècles présents selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienveillance, espérance, la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous arracher, afin de nous racheter de toute iniquité, et de faire un peuple qui lui appartienne, purifié pour lui, zélé pour le bon œuvre. On m'a dit, ce qui est au Kéin, a débit, que la grâce de Dieu, source de salut, pour toutes les hommes, la grâce de Dieu est la source et la salut pour la patonionso. Balobi Esaranine a été manifestée. Grâce à moi, c'est manifesté Katina Bisso. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété. C'est-à-dire la grâce, il nous enseigne. C'est-à-dire grâce sur les quatre la vie à moto. Et que Tindayo, il y a un tour besoin de lui, grâce à Zambé Katina Bisso. Il y a mon avis, grâce est à la quatre. Grâce est à la quatre. La loi est à la libanda. Il y a mon avis, est à la mibeko. Parce que je suis à mibeko. Mibeko, c'est ça. Mibeko, moutou, a respecté mibeko libanda. Mais il fallait à la quatre. Au fond, il y a aligné de respecter en côté, mais loin de nous autres, il y a respecté. Il y a mon avis, juif, il y a mon avis, il y a 613 mibeko. Mais ça, c'est la carte rendue. Pour les habibés, il y a des bandes. Il y a des bandes. Mais ce qui est grâce, c'est la carte de Moutou. Grâce, il y a des gens qui ont vécu. Grâce, et que Tinda Bisso, il nous enseigne. La Bible nous dit la grâce nous enseigne à renoncer à l'impiété. Mais quand on est en français courant, la grâce nous enseigne à renoncer à une mauvaise conduite. Et au désir terrestre, au moment où on a au désir mondain, au désir mondain, au poser à monde, au poser à ma camisa, à ma camouza, au désir mondain. Mais si la grâce est manique au salon à ma vie, n'a vu son acte, au moment où je suis décision, le week-end, tant que grâce est manique au salon à vie à moto, moto à suite décision, au milieu du cambo, au salon à mot souté, du cambo na tiki à mot, du cambo na tiki à mot, banzelo na tiki à mot. Baposo na tiki yango, makambo na tiki yango. Wana eza, loi eza la galipanda, mais grâce eza la ganakati. Yango to bine que grâce, Jésus nous a mené la grâce. La grâce eza evre, moko eza intérieur. Eza extérieur, te intérieur. Eza pour travailler na kati ya moto. Ba décision ya kati, ba décision moko ferme. Ba conviction moko ferme. Envers la Dieu. Tu vois maintenant, la Bible nous dit, ce qui te continue, et dans 12, il nous enseigne à renoncer à l'impiété, aux convoitises du monde, à vivre dans les siècles présents selon la sagesse. Tu vois maintenant, la grâce nous amène à vivre dans la sagesse divine. T'as commis sage, sa façon de parler changer. Apôtre Paul a dit quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant, j'ai raisonné comme un enfant, mais lorsque je suis devenu adulte, je fais disparaître ce qui est de l'enfant. Voilà, nous t'as commis sage.
Mutango misaji yoka grâce ndenge saraka. Grâce soke fani pezaka na motema mon. Grâce soke fani badiko sala na vie ya moto. Mutu baloi ya mokili. Ezala baloi. Mutu soka to vivre selo baloi akoko ma hypocrite. Omoni bat mususu akoko ma hypocrite. Baloi ne tindi me yemo ka lingina ngote. Me loi 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 ezala na vie ezali banda. Me grâce ezala kati. Bat mususu mona Azan va comporter ma bébé, mais soit comme devant l'église, n'a comme vraiment au monde à son inéni, a comme devant pasteur, n'a comme son inéni, a comme mais peut-être face à son accès, face à son vivre, mais tant que grâce est à Osala, grâce est à la canacate, grâce est travail à la canacate à Moutou, et ça va être une décision sincère avec Dieu. Ba décision mon goya kati na bi grâce ça travail mon intérieur mutazo zwa décision ya kotika balobi awa le ko abandonner de renoncer à l'impiété de renoncer au désir mondain de renoncer au plaisir de ce monde. Alléluia. Et la grâce nous amène à la maturité, à la sagesse balobi, à la sagesse, à vivre selon la sagesse présente, selon à vivre dans les siècles présents selon la sagesse, la justice et la piété. Tu vois maintenant l'œuvre de la grâce. Et que tinda muta zelanini aze la koya ya Jésus-Christ, tu vois, la grâce nous et tinda muta za na mutumuka ya kozela. Alingi Jésus na ye, alingi Nzambe na ye, aza na vie adoration, aza na vie kolinga Nzambe, aza ko banga Nzambe ali ba problème na batute, alingi bakanda na batute, alingi ba confusion na batute, aza mutu moko o abani ko marcher na sagesse divine, o azali ko marcher na justice ya Nzambe, o azali ko marcher na vie ya piété, o aza ko zela, o yokali lo wana Nzambe. Balobi awa la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ qui s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de nous faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour de bonnes œuvres. Tu vois ce que la grâce a fait? Au moins, oh, grâce à ça, la grâce, la ligne totale dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 1. 1 Corinthiens chapitre 6 verset 1. 1 Corinthiens Tofula potosilisa quickly we are going soon we will finish. Bientôt nous allons terminer. 1 Corinthiens chapitre 6 verset 1. Balobi, puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à de ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. De ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Balobi, nous travaillons avec Dieu. Nous vous exhortons. Nous vous exhortons à ce que nous avons la grâce de Dieu en vain. Nous avons la grâce. Matthieu a osé que nous avons la grâce. La grâce est à Jésus-Christ. To mépriser grâce au thé, to rejeter grâce au thé. On dit, ah, bah, puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons de ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Car il dit, au temps convenable, j'étais exorcé. Au jour du salut, j'étais secouru. Voici maintenant les temps favorables. Voici maintenant le jour de ton salut. Et dans la Batmoussou, sous les deux jours, il y a salut pour Nayo. Zambalingo Zongelaye. Zambalingo Kalamanaye. Zambalingo Zalamoise Mabondeli. Qu'on refuse grâce au thé. Qu'on refuse Ngolo au thé. Matéa Oyote. Zambazan a posa Salanayo. Zambazan a posa restaurer Bomoinayo. Zambazan a posa Tombolayo. Mais qu'on rejette grâce au thé. Voilà, mais qu'on soit grâce en vain été. Et aujourd'hui, il y a un jour et à salut pour nous. Dans verset 3, Balobi. Nous ne donnons aucun sujet de scandale en quoi que ce soit, afin que le ministère ne soit pas un sujet de blasphème.
Osomona awa kuna Paul azolo batozo lingate to to tozala un sujet de scandale. Tozala un sujet de scandale pour ministère ezala blâmer, ezala mépriser. Yango c'est pour cela nzamba azolo balabiso tozwa grâce oyo en vérité aujourd'hui eza jour na biso ya sali. Sokotangi kuno kena se makambo eza ebele ya kolobela, mais soki nalobi na baze wana nakozwa su tante ya kosilisa ma tia na biso sur la grâce. Wana napesa biso ezalaki troisième point nalobaki la grâce nous enseigne la piété. Quatrième point nayingelaloba la grâce produit la reconnaissance. La grâce produit la reconnaissance. Totangi na Psaume 45 verset 2. Psaume 45 verset 2. O kabola maine bale yawe obongwalite. Dana kati na moto na yebina kolonga. Nani yakoki kosunga lokola yo mosantu. Yonde nzambe na bomoi yobongwalite o. Kuma yawe, kuma ma papa, kuma ma nzambe na nguya, kuma ma yawe. Fololo ya bolingo na yeko bonzela yo. Papa yo simbi mitema yo bomanite ho. La Bible nous dit, tu es le plus beau des fils de l'homme. La grâce est répandue sur tes lèvres. Et c'est pourquoi Dieu t'a béni pour toujours. Voyant guerrier, Seigneur ton épée, ta parure et ta gloire. Oui, ta gloire. Sois vainqueur. Montez dans ton char, défends la vérité, la douceur et la justice. Ah, na sepelika na début wana, esika balobi, tu es le plus beau des fils de l'homme. La grâce est répandue sur tes lèvres. Tu es le plus beau de toutes. Tu es le plus beau, les fils de l'homme. Pendant qu'on parlait, tu es le plus beau, les fils de l'homme. La grâce est répandue sur tes lèvres. Parmi la grâce est un remerciement. La grâce est une grâce. Tu as vu ce que ça va, la photo va l'ensemble, merci. Moi, même la grâce est une grâce, merci. Tu as besoin de la grâce, c'est une grâce, merci. Et on a vu la grâce est une grâce, merci en latin. Franc, mon nom se outil en latin. Français, espagnol, tout ça, italien, tout ça. Grâce, merci et la grâce. N'habitez ce qui na en Espagne, chez un portugais, Zanine. Na portugais, n'habitez moutoua, yon, na portugais, merci, na portugais, beaucoup me l'anango. Maman Cathy, papa Costa, si vous avez comme l'anango, grâce, feva, na portugais, merci, et l'on va dire, na portugais, beaucoup me l'anango. C'est-à-dire, Abazon, Awa, tu es le plus beau des fils de l'homme. La grâce est répandue sur tes lèvres. Moi, dans un Zambé, c'est le plus beau. Grâce et bimaram nogonaye. Remerciement. Dieu nous a appelés pour dire merci à notre Dieu. C'est ça la grâce. Ah, la grâce est répandue. Il y a un moment ici qui est au tangi, tokene na livre, il y a Colossiens chapitre 3, verset 15. Colossiens chapitre 4. Colossiens chapitre 3, verset 15. Bazolo Belango. Mais, na ligi totanga Colossiens chapitre 4 verset 6. Même Hébreux chapitre 12 verset 28. Bazoloba yango. Mais la ligne là tout le temps à Colossiens. Colossiens 4 verset 6. Colossiens chapitre 4 verset 6. Pourtant on a la confusion. Balobi. Que votre parole soit toujours. Dans un esprit de grâce. Et votre parole soit toujours dans un esprit de grâce. Même esprit de grâce est à la gare. Et tes paroles soient toujours dans un esprit de grâce. Tandis que la grâce veut dire remerciement, reconnaissance, action de grâce. Parmi tes paroles, malobanayo, elles vont accompagner dans l'esprit à grâce. Malobanayo, elles vont accompagner dans la grâce. Il y a un moment où il se dans Hébreux chapitre 12, verset 28, sur la grâce de Dieu. Soyez reconnaissants.
dans ma version, vous avez soyez reconnaissant. Dans ma version, d'être observable, balobi, que la grâce. D'où la grâce est très importante dans ma vie, dans ma vie. Il y a dit, d'autant que passage, je suis dans 1 Corinthiens chapitre 1, verset 4. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 4. Natangi Balobi, je rends à mon Dieu continuellement grâce de Dieu. Tu vois, Awa. Je rends à mon Dieu continuellement grâce, action de grâce, action de grâce. Grâce veut dire, Nalobi Awa, grâce et l'ingikoloba, merci. Je rends à mon Dieu continuellement action de grâce à votre sujet pour la grâce de Dieu qui nous a été accordé en Jésus-Christ. Tu vois, la grâce, grâce, et lui, Koloba, n'a pas remerciement. Et lui, Koloba, merci. Koloba, l'ensemble, merci. Action de grâce. N'a pas remercié. Action de grâce. Donc, autant qu'il y a 2 Corinthiens, chapitre 9, verset 11, Malobé, Liango, Colossiens 2, verset 7, 1 Timothée, chapitre 2, verset 1, Papa, ça, Jézébélé. Dans les mythos qu'il y a, na 5e, attitude, ayons l'habitude de rendre grâce au débit de ta nourriture ou bien de ton repas. Tous en a habitude, il y a qu'on remercie Nzambe avant ton lia. Moi, même avant ton lia, il n'a qu'à la Bible, bah remercie à Nzambe la nourriture. Aujourd'hui, nourriture, bah tout ça, bah nourriture, tu vas dire que chasser mes limons, ma bé, n'a chasser mes limons, tout ça, ben. Dans la Bible, il y a une action de grâce. Il y a une action de grâce. Je vais vous dire rapidement. Dans Luc chapitre 22, verset 17. Luc chapitre 22, verset 17. Ayant pris une coupe, rendit grâce. Tu vois? Ayant pris une coupe, rendit grâce. Il lui dit, prenez cette coupe, distribuez-la entre vous. Na totangina 19. Ensuite, il y prit du pain, après avoir rendu grâce, les rompit, les donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. Il a rendu grâce. Tu vois, Jésus, avant de manger, même sain, ah oui, ça sain. Il y a un monde qui même lambo, grâce. Parce que Jésus-Christ, avant d'abord à distribuer le passage, il a rendu grâce. Il a rendu grâce. Même Saint Zotonaye et Lambo, il a rendu d'abord grâce. Même ce Rotangi, dans 1 Corinthiens 11, verset 24, après avoir rendu grâce, les rompis dit, ceci est mon corps qui est répandu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. Ce Rotangi, dans Marc chapitre 11, verset 6, au commun appel, Ezaka Kabongo. Ce qui toque, avant même Jésus, pour la mapa, oyo, mapa nambis, totangango, Marc chapitre 8, verset 6. Marc chapitre 8, verset 6. Alors, il fit asseoir la foule par terre, prit les 7 pains, et après avoir rendu grâce, après avoir rendu grâce, tu vois Jésus, après avoir rendu grâce, c'est-à-dire un enfant de Dieu, tant que lui colia, soit biloko, rendre grâce, le manzambe, merci. Merci, Seigneur, je te dis merci pour cette nourriture. Seigneur, je te dis merci pour la nourriture. Seigneur, je te dis merci, Nabiloko Bessinga. Rendu grâce, c'est ça. Rendu grâce. On dit grâce. Nous, c'est ça, grâce. Il nous a mené grâce par grâce. La plénitude, grâce sur grâce. Tu vois, ce qui t'a tangi le sous-sous, par passage zébélé, par la grâce. Par passage zébélé. La ligne qui est dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 31. 1 Corinthiens chapitre 10.
Alors, soit donc que vous mangiez, soit que vous viviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est la grâce de Dieu. Tu vois, parmi Oyonion Sotokolia, Oyonion Sotokomela, Oyonion Sotokolia Tokomela, Petokosala, Oyonion Sotokosala, Pouezala, accompagné, la grâce de Dieu, la gloire de Dieu, tu vois. Osamona Awa, na 1 Timothée chapitre 4, verset 4. Parmi Awa, car tout ce que Dieu a créé est bon. Et rien ne doit être rejeté pourvu qu'on le prenne avec action de grâce. C'est-à-dire, ma vie, ah, mon Dieu, son zamba, ça, la colia, et ça, malamus, oh, yon, yon, son tocolia. D'abord, il faut tout soyons avec action de grâce. D'où, c'est très important de rendre grâce à Dieu avant de manger. De rendre grâce, pas passer à Jésus, mais à rendre grâce. D'où grâce. J'ai trouvé grâce. Potosi Lisa. Toloba, ah, la grâce produit la générosité. La grâce produit à nous maintenant la générosité. Grâce aux autres, n'abiso peto sungaka. To kabaka. To salisaka. Tu vois la grâce? Moi, grâce m'a envoyé ça là-bas. Et c'est pour cela la grâce. Vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a beaucoup de passages en haut. Dans 2 Corinthiens chapitre 8, verset 9. Toke nena nouana. 2 Corinthiens. Todo silisa, todo tanga. Deux passages. Après passage, todo tanga, dit aussi ici. Balobi, car vous connaissez la grâce de notre Seigneur. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. 2 Corinthiens chapitre 8, verset 9. Vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour vous, s'est fait pauvre, des riches qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous deveniez riche, enrichi. C'est-à-dire, si vous voyez, la grâce amène la générosité. Jésus-Christ, par la grâce, il s'est donné. Vous connaissez la grâce. Jésus-Christ, par la grâce, il s'est donné. La grâce nous amène aussi à donner, à aider les gens, à distribuer nos biens avec des gens, à aider les pauvres, à aider les veuves, à soutenir, à aider les gens. Ceux qui ont besoin quelconque, ça, à soutenir. Tu vois la grâce? Là où il y a la grâce, la personne qui a la grâce de Dieu, la personne de grâce, quand nous avons la katinaye, à pesakapé, à kabaka. Bomoni Jésus, awa. Vous connaissez la grâce? Dans la grâce, Jésus, il s'est livré. Lui qui était riche, il est devenu pauvre. Ce qui est dit, Kakawana Totani na 1, Kakana 2 Corinthiens 8, na 1 Balobi, nous vous faisons connaître, frère, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans l'église de la Macédoine. La grâce de Dieu qui s'est manifestée dans l'église de la Macédoine. Tu vois maintenant la grâce de Dieu et se manifesta qui dans l'église à Macédoine. Et se manifesta qui dans l'église. Au milieu de beaucoup de tribulations qu'ils ont éprouvées, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance des riches, libéralité de leur part. Tu vois la grâce? La grâce de Dieu et se manifesta qui dans l'église à Macédoine. Batoubaye baki kosunga. Bien sûr, bazanga qui pauvre. Bien sûr, bazanga qui. Mais ces gens-là, ils étaient capables de soutenir, d'aider, de soutenir l'œuvre de Dieu, de soutenir. Balobina biso. Balobina awa. Donner volontièrement selon leurs moyens, même au-delà de leurs moyens. Ils ont donné au-delà de leurs moyens. Regardez l'église à Macédoine. Et si la grâce est au salon à vie à moto, moto à Eva au Moussalan Anzam. Votre mari Moussalan Anzam est à la Ophélie. Non, œuvre de Dieu, la personne au grâce est au salon à la moto. Moutouana est au soutenir œuvre de Dieu. Moutouana est au soutenir l'église. Moutouana est au soutenir ma femme. Moutouana est au paix ça.
Voli avait la grâce et se manifesta qui na vie à Jésus, il s'est livré. Ici, lui qui était riche, il est devenu pauvre par la grâce. Et nous voyons ici, dans l'église de Macédoine, la Bible nous dit, les gens, la grâce de Dieu, et se manifesta qui l'église, voilà, voilà qui vraiment, à leur, mais ils sont donnés au-delà de leurs moyens. Totalement, dans Luc chapitre 6, verset 38. Luc chapitre 6, verset 38. Aussi ça je pense totangi ah totangi proverbe est aussi ici balobi na biso donner et il vous sera donné pesa et que pesa mais là tu vois la grâce de Dieu nous amène aussi à donner la personne qui est grâce et ça nous avons ça na vie à mutu faut pesa ka faut kabaka il faut apprendre à donner na lo na biso même ko kabeza la gadon et la gadon donner. Il vous sera donné, on versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secourir, qui déborde quand on vous mesurera avec la mesure dont vous aurez serré, servir. Balobi awa, pesa et que pesa melayo. On versera, bako sopelayo, bako sopelayo, bako serrer, bako secourir et que déborder. Na mesure où yo posa ko sala, na mesure où yo posa ko pesa, tu vois, la grâce de Dieu quand on manifeste la vie à moto, moto a kabaka, moto a pesa kadou. Moni grâce de Dieu est important. Ya moni Rita lobi j'ai trouvé grâce parce que na gata grâce et ça na makambu et belé tout en passage à souka poto le kana ko soukisa. Na livre à Proverbe chapitre 11 verset 24. Proverbe chapitre 11 verset 24, Totangi yango petosil ici, wana. Grâce est ça très important. Nous avons besoin de la grâce de Dieu. Faut que bakopé ça entre moni. La grâce produit la générosité. Na kat na Israël, bazalaga na deux mères. Bazalaga na mère de Galilée, pe bazalaga na mère morte. Balobi deux mères wana na terre sainte. Na Jérusalem, bazana ba mère mibale. Mère o babengi mère de Galilée. Bazaga na mère o babengi la mère morte. Balobi nyoso ba mère wana ezouta na source moko. Source moko fleuve moko ezako pesa ba mère wana mai. Mais na mère ya Galilée, balobi mai penza eza mai moko fraîche, bonne kitoko, fraîche, mai eza kitoko, mai eza ko jaillir, mai moko ya kitoko mère de Galilée. Mai ozomona mai eza en abondante, mai eza kitoko, mai eza propre, mai eza soin. Babengi yango mère de Galilée, po mai wana ya Galilée, yango tango ezozwa mai, ezo pesa pe quelque part. Mais la mère morte, yango pe, parce que la mère morte, na mai wana pesa gate, yango ezozwa kakaka. Mai, la mère morte, eza mai ezozwa mezo pesa te, yango bazo benga la mère morte. C'est-à-dire la personne qui reçoit, oyo bazo pesa te, tu es la mère morte. Toi, tu reçois, mais tu ne donnes pas. Dans la vie, il faut recevoir, mais quand tu reçois, il faut aussi donner. Quand tu donnes, aux amères, aux Galilée, aux amères, aux sources, aux kitoko, aux jaillis, aux bazoya aux soukoula, aux bazoya aux sepelana, aux amaya kitoko, maya propre. Mais, ouais, on se voit bien aux mères mortes. Pourquoi ils ont même un combo à mères mortes? Parce que peut s'arrêter. Quand nous n'arrivons pas à donner, tu recommandes à la mère morte. Tant que tu deviens spirituellement la mort morte. La mère morte. D'où c'est très important dans la vie. Il faut aussi aider les faibles, aider les gens. Quand nous aidons, mais quand nous gardons pour nous-mêmes, nous devenons maintenant la mère morte. Pour terminer, Proverbe chapitre 11, verset 24. Tel qui donne libéralement devient plus riche. La personne qui donne libéralement, la Bible nous dit, il devient riche. Tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. La personne qui épargne, oh, elle va cocabater. Tu vois, on lui cocabater, on lui cocabater. L'âme bienveillante sera rassasiée. Na sepeli na phrase elandi wana
Balobi, c'est lui qui arrose, sera lui-même arrosé. Oyazo sopela, ma yé peut pas sopela, et tu vois, quand tu donnes, yo ne peut pas rouper ça, yo. Yozo sopa maï, va rouper ça, yo pe maï. Yo quand on va continuer, kuna, c'est lui qui retient le blé et maudit du peuple, mais la bénédiction est sur la tête de celui qui les vend. Au nom de Awa, Balobi Awa, Oyazo ko bomba, zo ko kanga, azala kanga na blé, blé ça, et ça mape, bako ni kanga na mapa. Eh, Balobi, aza maudit du peuple, mais c'est lui qui les vend. C'est-à-dire, Oyazo ko pesa, la bénédiction, ça pas mouto, azo pesa. Quand nous donnons, la bénédiction est sur nous. Dans la vie, il faut apprendre aussi à donner. Il faut apprendre aussi à donner. Bible dit, pèse ça, pèse ça, mais là, tu vois, tu es collé sur la grâce de Dieu. Moi, je pense, j'ai terminé sur aujourd'hui, Nassou ici, Ava sur la grâce de Dieu. Le dimanche, tu as continué qu'à sur Ruth, ne crains point. Mais là, quand tu n'as crains point, tu parles à qui? Sur la grâce. La grâce, j'ai trouvé grâce. Et le dimanche qui vient, tu as dit, j'ai dit, Zoya. Tokolobelaka maloba orita zoloba po maloba ana ezo concerné pe nabiso totelema potobondela liloba we ezayo tokobondela tomoni kuna David alobi et Bible lobi je suis entouré par la grâce de Dieu azinginga na ngolu na ye tokobondela to senga ngolu na nzambe ezana biso etambola na biso selo liloba oto yo kitobondeli alleluia.